couleur. Prêt? Tapote sur le point gris, tu vas voir, elles vont venir. Allez, voilà. Au début, elles sont un peu timides. Tapote encore. Elles arrivent, mais il en manque encore. Tapote une dernière fois. Ah, c'est bien. Elles sont toutes là. Pose ta main dessus, ferme les yeux et compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! Maintenant, tu as une main magique. On y va? Prends avec tes doigts un peu de bleu et caresse le jaune. Tu vois? Maintenant, prends un peu de rouge et caresse le bleu. D'accord? Prends du jaune maintenant et peins sur le rouge. Voilà, c'est bien ça. Tu t'en souviendras? On continue. Si tu secoues le livre dans tous les sens, ça va donner quoi? Bien. Si tu penches le livre vers la droite, que va-t-il se passer? On est d'accord. Ferme le livre d'un coup pour que la couleur de gauche embrasse celle de droite. Tu avais trouvé? Bravo! Et si tu frottes les couleurs avec ta main sur toute la page, ça fera quoi? Oui. Pour peindre tous ces points en vert, que faut-il faire? Waouh, très réussi. Encore? Le blanc éclaire les couleurs. Vas-y, essaye. Tu vois? Le noir les assombrit à toi. Tu as compris? C'est simple, non? Si tu appuies bien fort la page de gauche sur la page de droite, eh bien, voilà ce que cela donnera. Tu en sais déjà beaucoup. Maintenant, pose ta main. Compte jusqu'à 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, c'est fini. Au revoir. Maintenant, c'est à toi de jouer, de regarder, de mélanger, de découvrir et surtout, amuse-toi bien. Mouah!